Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de la suite de notre aventure sur Dead Rising 4. Nous avions sauvé Amand avec risques et périls, hein, n'ayons pas peur du terme. J'ai eu peur un moment, c'est vrai que j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je vais employer ce terme dans cette vidéo? Est-ce que je vais prendre le risque? Est-ce que je vais m'avancer pour sortir ce terme? Mais bon, n'ayons pas peur des mots, hein, on est en 2017. Nous avons donc sauvé Amand des griffes de Robert, fermier depuis 30 ans. Robert qui a totalement craqué, les gars. Il a totalement craqué, il a pas assumé l'apocalypse. Il n'a pas assumé l'apocalypse, au bout d'un moment, bon bah voilà, il a fait le pas de trois avec sa fourche, et Robert nous a trahis, on a donc dû le tuer, mais vous inquiétez pas, Amand alias cœur de pirate, hein, parce qu'elle a un œil soit en moins, soit c'est une nouvelle mode, hein, 2017, et saine et sauve. Et on peut donc continuer l'aventure avec la Soroth. Oh oui, il faut jamais sortir de chez soi sans grappin. Ok, je vous adore. Ok. C'est toute une histoire de grappin. Alors souvenez-vous, il fallait aller à un ascenseur. Ascenseur totalement incroyable qui se situe juste ici. Et c'était pas fini, hein, ça va partir en couille. Je lis vos commentaires, vous êtes nombreux à m'avoir dit, B-Boy, tu peux faire plein de combos vu que t'as pas beaucoup d'armes et t'en fais pas. Oui, je ne fais pas de combos. J'avoue ce crime, les amis. Pourquoi? Parce que c'est pas des combos qui m'intéressent, genre le truc acide, la masse explosive. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Voilà, je tenais à vous le dire. Donc je n'en veux pas. Je préfère me battre à main nue que faire un combo qui ne m'intéresse point. Sachez-le, les gars, je ne le répéterai pas deux fois. Donc on est parti. Et en plus, regardez le nombre d'armes que j'ai. J'ai mon lance-flamme. Enfin, lance-flamme. Un peu modifié, j'ai un revolver, histoire de dire que, j'ai mon lance-clou de feu, j'ai mon autre lance-clou de feu, c'est plutôt pas mal, ici j'ai la scie, je vais pas tous vous les faire parce que j'ai pas mal de choses, donc ne vous inquiétez pas, je régale, il n'y a aucun problème. Retour donc à l'affaire en cours, allez à l'ascenseur, maintenant on va parler à Jordan. Jordan qui est exactement pas ici, et ça c'est des zombies très très chiants. Alors, Jordan, dans les égouts. Ah oui. Les gars d'Amand vont me dégager le passage. Vous voyez, c'est ce qui arrive quand on n'agit pas comme un salopard. Dommage que vous voyez pas quel doigt je tends. Ok, il faut donc monter pour rejoindre Jordan. Mais alors Jordan, il est où? Me dites... Ah, waouh, attention quand même. Hein. Il n'y a qu'un pas de pouvoir tomber, ne plus pouvoir remonter. Jamais. Qu'est-ce que c'est? Bonus aspirant, ça c'est cool ça. Si on arrive à trouver un petit truc sympa. Il y a un nouveau zombie derrière moi, on fait genre on l'a pas vu, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Jordan? Oui, Jordan. Je crois qu'il est à l'intérieur. Je crois que je me suis fait biaiser. Je me suis fait biaiser, comme on dit dans le quartier. Je me suis fait... Ah! Qu'est-ce que c'est ça, par terre? Des barres de fer. Il est là. Mais non, il est là, en fait. Mais c'est nickel. Ah non, il est pas là. Jordan? Alors, attendez, parce que Jordan se téléporte très, très vite. Ah non, il est plus loin. Ah, c'est chiant. Faut faire tout le tunnel, là. On va le faire, vous savez quoi, j'ai faim, on va le faire, ne vous inquiétez pas, yo les frérots, c'est rien, poussez-moi, excusez-moi, on est parti, on va peut-être faire un ou deux combos là-dedans, ah, on peut fouiller, vous savez, sur un malentendu, les gars, on peut trouver 38$, 38$, c'est quand même une somme suffisamment incroyable pour se nourrir de kebab, parce que ça parle toujours, oh Jordan, ah mais tu es une femme, ok, le flic est une femme. Ah, on a des explosifs. On peut faire quelque chose de très sympa. On peut faire quelque chose de très al dente. Ah ben non, c'était un objectif. Je pensais que c'était un combo. Jordan, tu m'as déçu. Je prends le journal, Jordan. Et s'il y a un zombie avec un exosquelette en bas, sûrement pas. Utilisez votre appareil pour trouver le point faible. Vous l'avez déjà fait. Vous y arrivez. Allez, on est parti entrer dans les égouts. On se rapproche de Calder, le frérot Calder. Alors Calder, c'est quoi? C'est un produit nettoyant, bien évidemment, de la Javel. Haute température, mais c'est aussi un frérot qui a changé. Voilà, il a changé. Mais on est déjà passé par ici, exactement par ici. Et récupérer le disque dur. Ok, les hélicos d'évacuation arrivent. Et j'ai un message pour vous. Salut, Franck. Quelqu'un a accédé à ces fichiers. J'ai dans l'idée que c'est vous, donc... Si jamais vous trouvez mon corps, soyez sympa. Essayez de tapisser dessus. C'est quoi ce bordel, Vic? Je peux la contacter par radio. À quoi bon? Je vais vous le dire. Pour nous fédéraux, il n'y a rien de plus dangereux au monde qu'un journaliste qui nous harcèle sans relâche. Alors si deux d'entre eux travaillent de concert, c'est la merde. Je crois que c'est trop tard pour ça. On verra bien. Ok. Donc Vic s'est mis dans une merde pas possible.
Mais bon, vous inquiétez pas, comptez sur moi. Alors, va falloir qu'on change de fringue, mais ça va pas être facile dans la situation actuelle. Pourquoi allez-vous me dire ? Parce que là, je vais vous voir arriver. Oh, je vais couper la jambe. Ah, c'est bien le détail, on voit l'os et tout. C'est super sympa, hein, regardez. Regardez, attendez, un petit zoom. T'as eu ? Oh putain, son os, par contre, attention, c'est une épée. Hein. Attention, tu rigoles pas avec elle. On a déjà... Oh, nostalgie explosive. Est-ce que par hasard... C'était pas celle que... Mais attends, mais c'est celle que j'avais laissée il y a une bonne dizaine d'années, dans l'Ohio, en 1730, n'est-ce pas ? Mais c'est dingue, on a retrouvé... Mais attendez, les gars, on a retrouvé notre masse explosive d'il y a une dizaine d'années, mais c'est totalement fou ! C'est une œuvre architecturale à ce niveau-là ! Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, là-bas, il y a pas mal de petits trucs. Tuyau de plomb. D'accord, je peux m'équiper d'un petit truc acheté, là ? S'il y a un combo à faire dans pas longtemps... Oh, fusil d'assaut. Alors, fusil d'assaut, ça m'intéresse bien. Donc, on va le prendre. De toute façon, on a de la place. Et puis, j'ai ça, mais je ne peux pas l'utiliser sur les boss. J'ai mon crash venin qui m'a, mine de rien, été fort utile et qui m'a sauvé la vie lors de ces épouvantables épouvantails. Et on a encore un fusil d'assaut. C'est incroyable. Ah ! Pardon. Hop, bougez-vous, madame. Alors, faut savoir que je joue avec le son très très bas. Donc si je ne les entends pas arriver tels des petits scarabées, c'est normal. Hop. Non mais attention, l'argent ici, c'est des rouleaux de ferraille, mec, t'es pas prêt. Tu peux changer 4 fois le joint de culasse de ta voiture. Hop, faut mourir, madame. Faut mourir parce que c'est gênant. Ici, on peut déverrouiller, c'est incroyable. On a déjà pu déverrouiller. Rien de nouveau là-dedans. Oh, mais si, il y a la tire sans dents. Voilà, elle tire sans dents pour les prothèses dentaires et tout, c'est totalement incroyable. D'accord, donc ça réapparaît dans les... C'est sympa. Très sympa, j'adore le concept. On a encore des fusils d'assaut, très bien. On va garder la tire scindant, hein, évidemment. Et c'est scindant, hein, c'est pas scindant. Hein, vous l'aurez compris, ici, pas de place pour les termes de type présidentiel. Oh, on a une masse, est-ce qu'on peut faire encore quelque chose ? Oui, on peut faire une masse explosive, messieurs, mais j'en ai déjà une. Faut partir, hop. Voilà, parce que vous êtes chiants quand même. On est reparti ? Qu'est-ce qui va se passer là-dedans ? On y a déjà été, hein, les gars. Hein. Rien de nouveau depuis, hein. Ok, donc faut aller maintenant à... Attendez. Hop. Moi, ce que j'aimerais dire, éliminer tous les ennemis. Ça, par contre, c'est chiant. Ça, par contre, quand c'est pas prévu, c'est super chiant. On va tous les éliminer, c'est pas grave, les gars. Ça régale. Voilà. Ah, quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Attends, faut mourir. Ah, là, c'est la tête de ma mère, là, c'est chiant. Allez, on est parti. Là, ça dégage. Mourir, j'ai dit. Mais quoi ? Mais gros ! Le gars, il jette sur moi. Cache-toi, voilà. Va te cacher. Là, c'est chiant. Je compte jusqu'à 10. Aïe ! Arrête ! Aïe, arrête ! Ils sont très chiants. Il y a 2 secondes, ils voulaient pas se battre encore à toi. Maintenant, ils vont faire comme ça. Voilà, ça dégage. Là, c'est chiant. Là, tu m'as saoulé. Tu m'as forcé à utiliser mon scindant. C'est totalement incroyable. Oh, il y a un petit fusil à pompe ici. Attention. Trouver le point faible. Ok, il faut trouver le point névralgique, les gars. Ça peut partir en couille. Il y a des grandes clés par ici. Il y a des explosifs. Je dis oui aux grenades. On a quoi ? J'ai beaucoup de trucs explosifs là-dedans. Hein. J'ai beaucoup de trucs. Vous savez quoi ? On va s'équiper de ça. Je sais pas encore c'est quoi. Mais on verra bien sur le tas, comme on dit dans le milieu. Ok. Alors, faut trouver le point faible. Autre mode de vision. N'est-ce pas ? Nous l'avons. C'est ici. Je connais bien, ici il y a une petite rayure. Bingo. Ah non, c'est une charnière. Ok, cours. Cours pour ta vie. Je suis assez à l'abri là. Ah très bien, j'en ai fait trop, c'est mon côté un petit peu américain. Traquer Calder. Ok, je viens de traquer ma petite gueule. Mais attends, c'est pas la fin du jeu une fois qu'il est mort Calder? J'ai peur. Faut traquer Calder, on n'est pas à la fin du jeu quand même, abusez pas les gars. J'en ai eu des mauvaises idées. Faites-moi de quoi patienter Resident Evil 7 les gars. Toutes. Ok, on a quoi ici? Remarque, je pourrais vous faire des petites vidéos avec le fufu. Oh, les clés. Passe partout, clé de technicien. Ça c'est bon ça ma petite gueule argentée. On a des petites clés comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a un téléphone portable. Oh, on trouve pas mal de trucs ici. Hein. C'est vrai que c'est un régal les égouts à la base. À la base je voulais passer ma vie dans les égouts. Ah, ça c'est chiant par contre. Allez, c'est cadeau, faut mourir. Ça met du temps à exploser, mais je crois que ça s'attache aux ennemis. Oui, Christophe Maé. Christophe, ah bon, on n'oublie pas ses classiques, hein, les gars, même dans les égouts. Hein. Ok, j'aimerais bien récupérer, garder ma scindant, hein, bien évidemment, sans tout utiliser, parce que là, ça va être terrible, sinon.
Ça va vite m'énerver. Ok, direction salle suivante. Voilà, ça va être une série d'épreuves. Regardez. Putain de merde. Si je peux déverrouiller ma petite gueule. On voit strictement rien. Bienvenue dans Outlast, les gars. Attends, on va tracer là-haut. On va profiter un peu de la lumière. Ok. Bébé. Ok. Bougez pas. Ah non. Ah, ça, c'est chiant. Ok. D'accord. Là, on va le faire à la place de ça, peut-être. Ça me paraît pas mal. C'est parti. Oh, on a récupéré un crack. Oh, mais vous savez que c'est mon arme, ça. Hein. Sérieux ? Vous savez que c'est mon petit plaisir un petit peu incroyable. Le crack, qu'est-ce qu'il est beau. Heureusement que j'ai toujours des explosifs sur moi. Parce que les gars, le crack, c'est un peu mon arme de départ. Et je pense que ça sera mon arme d'arrivée. Je finirai le boss avec ce crack. Ah, ici on peut passer par là, non ? Non, on ne peut pas passer par là. Je sais plus où je vais, là. Où je suis, où j'habite. Qui êtes-vous, messieurs ? Je crois que c'est par là, hein. Ouais, vous l'entendez ? Attendez. Hop ! Collé, c'est cadeau, c'est... Oh ! Ça, c'est du big qui régale. Bon, on va essayer de les éclater. Par contre, ils sont de plus en plus nombreux, et ça, c'est chiant. Qu'est-ce qu'on a là ? On a de la viande. Attendez, est-ce qu'on peut pas s'amuser avec ceci ? Mais c'est chiant, en fait, c'est de la merde ! On ne peut pas s'amuser du tout. On peut pas. Faut mourir. Tête de ma mère. Attendez. On peut pas s'amuser avec, en fait. Voilà, ça c'était un petit coup, ça fait plaisir. Quoi ? Quoi ? Ok, c'est bon. Hop, voilà, je te crache à la gueule, mon petit pote. Hop. Ah non, mais les mecs ! Ils sont chiants, eux, hein, c'est terrible. Dégage, t'es chiant. Allez, dégage, t'es très chiant, là. Ok, on a quoi là? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Une machette? Mais non, je ne veux pas. Non, mais je ne veux pas. Là non plus, je ne veux pas. On va récupérer la scie. On a de la viande. On peut faire des explosifs. Ouais, mais bon, les gars, il n'y a rien qui marche là-dedans. Attendez. Normalement, selon. Oh, ça dégage. Regarde, cadeau. Oh. Faut mourir. Pardon, excusez-moi, j'étais pas prêt à avoir un saut aussi faramineux. Ce saut incroyable qu'il nous a fait. Je mets 10 sur 10, c'est ça, j'achète. Ok, de la viande, on peut faire pas mal d'explosifs. Apparemment, ils veulent que je me régale en explosif. Voilà, je vais mourir, messieurs. Tuer 50 zombies. Ah, ça, c'était pas les néo-zombies, c'était les zombies évolués. Hein, répétez après moi, les gars. Ok, c'est donc les zombies évolués. On continue, les potes. On continue. Donc, on va se mettre en vision nocturne. Par pure précaution, bien merde, évidemment. Il fait sombre. Je distingue pas mon cul de mon coude. Attendez, je prends une photo juste pour voir il y a combien de vivants. Il y a 3 vivants. Non, et ça va être chiant. Dieu. Donc, monsieur, on va commencer. 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 coups, on est bon. Il est mort. La ferme. Comment on est à ce truc ? Franck, écoutez, l'évacuation se prépare. Tenez-moi au courant. Non, pas de contact. Ils m'ont vu. C'était sûr, je suis passé à la lumière, ils m'ont vu. Gros, c'est pas grave. 1, allez, 2, 3 et 4. Je l'ai tué, les gars. Hein. Je l'ai tué, ils font pas chier tout à l'heure. Ok, on peut se casser. On peut se casser parce que de toute façon, ça... Ah ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Oh, bien joué, ça. Ça, c'est une belle esquive. 1, 2, allez, comptez après moi, les gars. Mettez pause à la vidéo. 2, et comptez, s'il vous plaît, en commentaire. Ok, là, c'est chiant quand tu te déplaces. Voilà. Ah, d'accord, lui, il aura fallu 2 coups. C'est terrible. Terrible fin pour lui. On peut tracer. Et on est bientôt là. Un vrai Noël de rêve. Quoi ? Sympa, ici, dis donc. Est-ce que ça serait pas l'esprit de Noël qui remonte ? Un Père Noël chantant. Alors ça, si j'avais de l'acide, on aurait pu faire un petit truc très sympa, bien évidemment, n'est-ce pas? Un petit truc dans nos goûts. Vous savez, le Père Noël qu'on pose par terre, on n'a jamais su, finalement, on n'a jamais su sa puissance, bien évidemment. Oh, un téléphone, ça je prends, par contre. Ça je prends, faut pas pousser mémé dans les orties, comme on dit, hein, 1730. Ok, on peut tracer. Calder est bientôt là. C'est un labyrinthe ici, c'est incroyable. En tout cas, faire une fin de... J'espère que c'est pas la fin du jeu, parce que faire une fin de jeu dans les égouts, c'est pas...
Calder vous attend. Une fois passé cette porte, vous ne pourrez plus explorer où la mettre. Ah, t'es comme ça, toi? Jure, c'est la fin du jeu, là? Non. Non, t'as pas fait ça. Calder vous attend. Une fois passé cette porte... Ouais, je me le répète comme si c'était une énigme. Allez, on y va, on aura rien à foutre. Calder, c'est quoi ces conneries? Je veux tout savoir. Mastico. Le compagnol. Le compagnol dans le rat. Le rat dans le renard. Le renard dans le loup. Encore et encore et encore. La chaîne se désagrège sans fin. Ça, c'est nouveau. Mais où se situe l'homme? Il persiste. Il vit. Tue. Brûle. Empoisonne la mer. Écorche le ciel. La vieillesse peut l'emporter, certes. Mais bientôt, même ça, nous sommes ici, tueur. Ses mains ont pris des vies. Et à présent... Non. On retrouve l'équilibre. Hé, César ! Oh merde, il est furax. Ouais, je sais, mon gros. Ok. Quoi? Oh non, mon joueur qui a bougé tout seul. Oh, c'est terrible. Ok, on prend. Ça, j'en ai rien à foutre, je prends. Ok. Brad, j'ai le disque dur, j'arrive. Il faut m'évacuer, Brad. Ok, on court. On court, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit. Aïe, je prends feu. Je ne sais pas par quelle magie ancestrale. Ok, ça c'est chiant. Hop, voilà. Les gars, je prends feu. Est-ce qu'il y a moyen ou non? Ah quoi? Mais je prends feu non-stop en fait. Ou quoi? Hop, voilà. Ah, je crois que ça ne peut pas le tuer. Ça ne peut pas le tuer. Je bégaye. Nouveau personnage, Calder. Est-ce qu'on va pas le prendre en photo, le frérot? Attendez. Là, c'est chiant. Voilà, ça dégage tout ça. Hop. Voilà. Allez. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est cool. Hop, petite roulade, histoire de perdre le feu, ce qui ne sert strictement à rien. Je ne comprends pas. Je me meurs chaque jour qui passe. Mais en fait, on revient toujours ici. C'est incroyable. Aïe! Bien joué, ça, Calder. Tu rigoles zéro, toi. Hop! Petite esquive. Hop! Petite esquive. Oh, on est bon, là. On est bon. Ok. Calder, tu veux pas mourir? À aucun moment de ta putain de vie, tu veux mourir? Ok. Ok. J'ai tenté un truc, désolé les mecs! Vas-y, bouge pas, vas-y, prends. Ça c'est chiant quand tu tentes un truc. Afficher les didacticiels. Aïe! Oh putain. C'est pas évident. Afficher les didacticiels, on va les afficher, hein? Parce que c'est chiant quand ça se passe comme ça. Attendez, je sais bien que ça se passe comme ça chez McDonald's, mais enfin là c'est terrible. Vous savez quoi, on va faire sans. Moi je suis un putain de malade. Moi j'ai pas besoin de didacticiel. Ok, comment on va faire par contre? Attendez, je suis jamais mort dans le jeu. Ce serait dommage de mourir quand même une fois, hein, n'est-ce pas? Didacticiel, information, Calder peut-être, non? Ah, personnage de l'histoire, attendez, bougez pas. Peut-être, moi je connais bien. Et je suppose que c'est sûrement pas du tout de même. Aïe, bien joué, je n'ai pas pu... Mais par contre là c'est chiant mec, comment t'es aussi bon comme ça? Quoi? Qu'est-ce qui se passe pour se lever? Attendez, afficher première classe mes couilles. Ok, bien qu'ayant survécu à l'infection, Calder est maintenant à la tête de zombies évoluant entre deux accès d'orage. L'infection a décuplé sa force, il peut effectuer des bonds gigantesques, d'accord. Et lancer des mines à proximité sur de longues distances. Beau didacticiel, hein, putain. Le petit kiff, hein. Là, les gars... Merde. Ah, putain, c'est terrible. Oh, putain. C'est pas évident.
Oh là 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 là. Oh, quel chassé-croisé incroyable. On est tous perdus dans cette histoire. Aïe. Les gars, c'est pas très gentil. Ok. De toute évidence, nous faisons le tour pour rien par ici. J'ai réussi à monter. Mais là, j'ai réussi à redescendre. C'est lui qui me fait ça, en fait. Putain de merde. Mais comment c'est possible? Ok. Vous mourrez, messieurs. Ah, mais d'accord. Ah ouais, mais ça en fait... Mais c'est incroyable. Quelle est cette puissance ancestrale? Qu'est-ce que ces conneries? Oh, faut mourir. Voilà. Je vais essayer de tous les tuer comme ça. On va voir ce que ça va donner. Là, je vous avoue... Je vous avoue qu'il est assez compliqué, celui-là. Ok. Mouais. Il y a des gens qui tombent donc à l'infini et au-delà. Ah, c'est sympa, hein. De prendre des petites explosions comme ça dans les dents, là, ça fait... Ça fait plaisir. Bon, de toute évidence, j'ai voulu tenter quelque chose. Voilà, je peux rien faire. Je n'ai pas compris. Je ne comprends pas. Passer du temps à chercher des objets, la ferraille permettant d'acheter... Ok, là, tu te fous un peu de ma gueule. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On va essayer, vous savez quoi? J'ai un inventaire assez chargé quand même. On va tout lui envoyer dans la gueule. On va voir comment ça se passe chez McDonald's. Parce que là, venez comme vous êtes, je suis d'accord avec vous les mecs. Mais là, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Donc, on va voir. On va tout lui donner. On va tout lui donner. Mais notre amour. Ensuite, il faudra que je sorte d'ici sans me faire défigurer. Récupérer. Alors, fuyez. Le disque dur, ça va enchaîner cette petite cinématique incroyable. Brad, j'ai le disque dur, j'arrive. Il faut m'évacuer, Brad. Alors, je vois, échappez-vous de la zone. Donc là, je veux bien, hop, ça c'est cadeau, c'est moi qui rentre. Je veux bien m'échapper de la zone, mais comment? Là, j'en ai fichtrement aucune putain d'idée. Donc, de toute façon, on fait que de monter. Je vois pas, en fait... Je peux que monter, on est d'accord. Regardez, là on va à droite. Je peux pas descendre là, je ne descends jamais. Regardez, on fait que monter, c'est incroyable. Ça suffit le feu. Le feu, c'est... Ouais, c'est chiant. Par contre, je me fais cramer. Ah d'accord, ok. En fait, faut bien sauter. Au début, c'est parti d'un délire entre potes, et après, finalement, faut bien sauter. Très bien, c'est incroyable. D'accord. En fait, il faut continuer. Toujours tout droit, toujours plus loin, très bien. Voilà, ok. Là, on a passé une nouvelle épreuve de ma vie. Pas de moi, je fais que passer. Ah, ça c'est chiant. Monsieur, vous avez très bien visé. Bien joué à vous. Hop, c'est bon. On a récupéré une petite bouteille d'eau. On peut continuer. Donc, toujours tout droit, vu qu'on fait que de monter. Hein. En fait, je m'étais arrêté, je pensais qu'on tournait en rond pour être honnête avec vous. Voilà. Parce que moi, je suis quelqu'un de très honnête. Ok, salut, les mecs qui viennent d'apparaître. Ah, ça c'est bien gênant. Ok, on en profite. Voilà. On saute des petits sauts comme ça, plongé bien évidemment. Ça c'est mon côté un peu l'Ormanodou. Ok, là ça prend feu. Voilà, des petits toujours sauts carpés. Tout prend feu, hein, c'est terrible. Ah mais il est toujours là. Ah là c'est chiant. Ah GG encore. Faut toujours féliciter l'adversaire. Faut toujours féliciter l'adversaire parce que c'est vrai qu'il met des petits trucs quand même sympas. Ah, bien joué ça. T'as réussi même après shot mon avancée, c'est incroyable. Cet homme est vraiment bon, hein. Je te veux dans mon équipe. Alors, par contre, faut courir toujours. Ah, là, c'est chiant. Tant qu'il n'a pas de barre de vie, échappez-vous de la zone. Échappez à Calder. D'accord. Donc, pour l'instant, cet homme est beaucoup trop balèze. Ah, mais après, je pense qu'on... Non, on va retourner à Willamette. Je pense pas que ça soit fini. Vous inquiétez pas. Bah, on l'a pas tué. Ça peut pas être terminé. Donnez-le-moi. Obéissez!
Allez. Ok. Je vous laisserai pas marchander ces infos. Cette fois, on fera tout dans les règles. Ouais, toujours la même rengaine. Éloignez-vous du disque dur. Tout de suite! Navré, Franck. Ciao. Alors, quoi? Peu de mini-golf? Amon avait besoin de moi. Son tyran s'était mué en psychopathe. On l'a abattu. Et Amon a veillé à ce qu'il ne se relève jamais. En échange, Amon m'a offert le plus grand cadeau qui soit. Son amitié. Et pour couronner le tout, une bombe pour m'ouvrir la voie vers le repère de Calder. Les égouts. Calder et sa clique d'affreux zombies intelligents en avaient fait une sorte de tanière à vous faire froid dans le dos. Quant à Calder... il parle. Quoi qu'il soit devenu, il reste une petite part d'un enfoiré de psychopathe humain en lui. Du coup, j'ai pris les infos et j'ai filé. Ainsi aurait dû s'achever notre récit fantastique. Frank West, le héros triomphant de Willamette. Une nouvelle fois. Vic Chu. Voleuse. Petite sorcière. Elle m'a volé des preuves. Elle a pointé une arme sur moi. Désormais, c'est... Je suis rassuré, affaire 5 résolue, c'était pas la fin du jeu. J'ai eu peur, je me suis dit, quand même les gars, hein, c'est court pour une fin du jeu et c'était dommage. D'accord, bon bah, hey, bonne chose de faite, par contre, je pense que c'était le boss de milieu, hein, on peut dire ça comme ça. À mon avis, Calder a tué, il va être méga hard. J'avais essayé de le tuer, heureusement que j'ai pas vidé mon inventaire les mecs, heureusement. Vic m'a volé mon appareil, c'est elle qui a l'épreuve. Quoi? Récupérez-le alors! Merci pour le conseil, Brad! Je pense, les potes, qu'on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Cette vidéo fut courte mais intense, hein, et on a passé une nouvelle affaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde, ciao ciao. Il y a du sang en haut de mes yeux, je ne sais pas. Peut-être une conjonctivite. Allez, à plus tout le monde.